Il a un mental faible de ouf. Parce que Chanel a duré 30 secondes. Wesh. Non. Il a pris quelqu'un de plus raccroché. Déjà, bonne rentrée à tous. Vous connaissez le principe des camps d'entraînement avec Amine, Billy et parfois Inox. Vous avez vu l'épisode 1, l'épisode 2. Là, on s'est fait notre troisième camp. Alors, cette fois-ci, ce qu'on vous propose, c'est une vidéo défi. Dans cette vidéo, on s'est simplement testé sur le développé couché aux haltères. Vidéo très simple, mais c'est aussi un moyen de répondre aux défis des haltères de 60 kg qu'il y avait dans le fit game, etc. Et aussi, c'est le moyen de voir où tout le monde en est à ce moment donné. Pour ce camp d'entraînement, j'en suis désolé, on n'a pas filmé grand-chose, donc c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour cette fois-ci. Mais, si vous fumez les pouces bleus dans cette vidéo, pour le prochain camp, je me donnerai à fond pour faire un très très gros contenu. Avant de commencer, pour la rentrée, le code manga sur MyProtein et à son apogée, -45% de réduction. Profitez-en pour refaire vos stocks, compléments alimentaires, vêtements de sport. Là, c'est donné. C'est le moment ou jamais. Bref, j'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Let's go! Donc là, on est à la salle, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire une séance pec, mais une séance pec au poids. Donc en gros, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est on va tester le maximum au poids. On l'a jamais fait en vrai encore. Mais vraiment, celui qui adore ça, il faut préciser sa mine. C'est pas que j'adore ça, c'est que je le fais parce que c'est beaucoup plus utile pour égaliser un pec, parce que après il y a que moi qui le vois, mais j'ai l'impression que j'ai un pec plus gros que l'autre. Et il n'y a pas que ça, je trouve, pour progresser au DC, j'ai juré que les poids c'est mieux. Ça dépend des morphologies, mais il a ses raisons de le faire. Toi t'as des grosses lacunes avec les haltères. Bah ouais, parce que j'ai un bras plus fort que l'autre, ça veut dire que quand je couche, je suis comme masse. Mais donc c'est aussi bien d'avoir un travail aux haltères pour apprendre à équilibrer, oui, à être stable et ça. Non mais j'ai réussi à me stabiliser un peu au fil du temps, mais j'arrive pas à monter de ouf. Mais donc voilà, pour dire, Billy, il a vraiment des lacunes sur tout ce qui est haltères. Amine il est beaucoup plus à l'aise. Abdel, ça donne quoi toi haltères? Toi t'es trop fort. On va te donner les objectifs. Tu dis tu peux trouver combien? Alter. 200 par alter. Alter, combien? Vas-y, dis. Dis un poids. 20. Non, c'est une rep. 26. 30. Oui. 30. Okay. 30. Non, il faut tuer. Ah, en max, c'est une rep. C'est une rep. Ah, une rep, vas-y, 30. Abdel, objectif 30. Billy, tu dis objectif combien? Une rep. 40. Et toi, Amin, on sait de quel poids on parle? 44. 48. Une rep. 48. Moi, je pense, un chiffre rond, 50. Arrête, frère. Ok, t'as 100 kilos à la barre. Oui. T'aimes bien les haltères? Ah ouais, bah Billy aussi a 100 kilos à la barre. Mais Billy, il est vraiment handicapé sur les poids. Bah il est handicapé. Ok, et moi aujourd'hui j'ai testé 60. C'est un poids que tout le monde a fait dans le game, donc pourquoi pas voir comment je fasse. Faut qu'on lui fasse comme la dernière fois. Si tu réussis trop facilement 60, tu feras 60 et on te rajoutera. Oh non. Ah si. Ok, on va voir. Vas-y. On commence à s'échauffer et c'est parti, on va voir combien on monte. Ouais Billy, 12 kilos, t'en fais combien? Fais en 10. Essaye d'avoir les poignets stables. Je crois. Tu vois, boum, essaye de garder, tu sens les avant-bras pendant que tu... Les gars, ça c'est pas de la gonflette. Ah, la caméra, c'est quoi la gonflette? Ça veut tout et rien dire en même temps. Quand tu prends du volume, c'est pas de la gonflette, c'est de la force quoi qu'il arrive. Un mec volumineux, il aura de la force, c'est pas vide. On n'est pas gonflé dans l'hélium. Si tu prends de la créatine, ça peut faire de la gonflette. Alors, c'est à cause de lui qu'il y a des légendes comme non, ça. Non, au contraire. Frérot, tes muscles qui se gorgent les dos. Non. Ouais, mais c'est pas de la gonflette. Ouais, mais je veux dire, ça gonfle plus tes muscles avec autre chose que, que des muscles. Non, du coup, c'est de l'hydrolète. Vas-y, fais ta série, Amine. J'avoue que t'as posé une colle là. Non, il a dit un vrai truc. Moi, je suis un peu comme ça. C'est vrai. Du coup, il fait la rétention de votre musculaire. Il a raison. Là, je sais plus de choses que manga workout. Le monteur, tu le laisses ça au montage. Mettez un maximum des pouces rouges sur la vidéo, pas de pouces bleus. À 100 000 pouces rouges, je refais une vidéo avec Idriss et je vais apprendre d'autres choses encore. Je te jure, je galère avec des poids légers. Ouais, moi aussi, je sais pas, j'arrive pas avec lui. Regardez, là, c'est la motivation, c'est la bonne énergie. Regardez, lui, voilà, il est même pas heureux d'être là, c'est un hypocrite. Bah, si, je suis content. Je dois sourire pour être content. Ouais, faut que tu souris. Dis-leur l'exercice précieux, là. En fait, j'ai fait les rouleaux. Il fait pas la comédie. Les rouleaux abdos, là. On l'a fait pendant vraiment. Jusqu'on a dépassé nos limites. Et là j'ai les abdos contractés, j'arrive pas à me lever sans utiliser mes mains. Enfin, ça ira ou faut un intermédiaire? Non, faut un intermédiaire. Ouais, parce que ça s'approche de sa charge. C'est ce poids de charge. Ça va. Tout va bien.
Mais frérot, regarde ta caméra, elle fait quoi aussi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu la tiens, elle descend toute seule. Il a fumé la cam et il arrive à lui reprocher. C'est pas un truc de peur narcissique, ça? Non, c'est un truc d'orgueilleux. C'est toi qui lui fais du mal? Non, c'est de l'orgueil. Un tir intermédiaire, elle enlève 2 kilos. Mais sois un bonhomme un peu toi aussi là. Pourquoi tu te plains? Ça aussi, bah c'est oui, un truc de peur narcissique. Non, après, tu utilises ce mot pour tout et n'importe quoi. Frérot, donne tout, concentre-toi parce que ça, c'est ta charge de travail. Tu dois en faire combien? C'est d'en faire 5-6. Allez, Abdel. Ouais, bien. Magnifique. Allez, enchaîne vite. Tu vois, tes poignets, ils ont pas la même position. Et même, essaye d'être neutre. Okay. Tu fais combien? Là, t'essayes d'en faire 3. Juste pas contrôler. Boum. Tu vois, c'est au niveau de tes poignets et ton avant-bras le problème. Là, c'était mieux là. Ouais, là, c'était mieux. Combien j'en fais? Essaye d'en faire 5. Ok, go! Go! Toi, tu fais vraiment pour la décoller, les haltères, quand c'est trop lourd. Chez moi, c'est mon vrai problème. Ah non, moi, je les prends. Ouais. Et je fais encore une minute de repos après. Jure? Ouais. Okay. J'ai vu des techniques, c'est, ils se mettent comme ça. Ah, tu parles de là? Ouais. Moi je croyais que tu parles de quand le poids il est au sol. Ah non, non, non. Ah non, là moi je fais comme ça. Je m'éjecte les poids avec les genoux. Et ça marche? Ouais, ça marche. Bon, 30, sans souci pour Amine, Billy et moi. Abdel. Abdel fait 20. 20, c'est parti. Allez, mon revzer. C'est quoi sa charge habituelle? Tu travailles à 16-18. Ok. Vraiment, je travaille mes longues. Ouais, je fais comment pour le récupérer celui-là? Bah, en fait, fallait avoir les mêmes pour les genoux. Tu peux me mettre les ouais, regardez le fainéant. C'est grave. Tiens, mon bras. Boum, stable. Oh. Voilà. Bien. Oh. Ah non, j'ai flippé de ouf. Imagine, j'ai tombé sur sa gueule. Ça va, il était à Michelin. Mais non, c'est calme. Ouais, oh non, encore. Incroyable le décollage. C'est bon, pause. Donc ta technique c'était quoi au décollage? C'est de m'éjecter un peu avec les genoux. Ok, donc faire. Et de pousser direct. Bam! Ouais, voilà. Ouais, je m'entends. Oh! Le miracle! Mais non, il l'a cassé! Non! Oh oui, le traîneur! Mais non, tu le sais pas! Pourquoi il est heureux? Il y a un vrai débat. Ça fait 10 jours que j'ai Amélie, utilise ton autre téléphone. Frérot, même si j'ai envie de garder celui-là, ça te donne pas le droit. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Il lui a cassé son tel et là, il lui fait des reproches. Mais oui, mais ça, c'est le monde à l'envers. C'est un truc de un peu d'esprit shonen. Abdel, c'est ce qui lui manque. Mais ta mère, je vais le faire. Voilà, voilà. Billy, assiste-le, Billy. Oh, bien, oh, mais bah, il se fout de notre gueule. Oh, bah tiens, 2. Il se fout de notre gueule. Oh, bah tiens. Ah non, mais arrête, lâche pas comme ça. Lâche pas comme ça. Oh, bah tu vois, t'en as fait 2. C'était frictionnel, elle a duré 30 secondes. Je vais essayer de faire la technique d'Amine pour commencer. Non, moi je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire, mais il faut qu'il se repose. En fait. Tu savais pas. La technique, elle m'a baisé. J'aurais dû commencer comme j'étais. Ah, c'est moi, trop dur. Moi, je trouve qu'il a pas fait ma technique. Hein. Ça te regarde pas comment je me mets. Comme toi, mieux. Bien. Ça vole, Caron. Maintenant, je fais un mec chiant, mais il descend pas assez. Après, d'un autre côté, il a des super longs bras. Mais c'est vrai que tu peux descendre un peu plus, je pense. C'est vrai, bah, frérot. Je descendrais, mais à 42. Là, ça commence à me faire défaut parce que le démarrage, je l'ai pas. Je suis comme toi. En fait, quand j'arrive, tu vois, je suis sur le dos. Mon corps, il est plat. Il n'y a pas la bonne position. Les gars, c'est un acteur. 50, ça va voler comme pas possible. Là, c'est de l'acting. Tout va voler, arrête. C'est ça parce que c'est ta strat habituellement. Non, parce que frérot, tu sais que c'est léger pour toi. Tu la rentres. Le dos, Billy. Ouais, t'es pas. Bien, let's go. C'est bon, lâche. Là, il l'a gratté. Ouais. t'as eu un boost mental. C'est quoi qui m'a donné la force? C'est quoi? J'ai repensé à une fille que j'ai plus revue depuis que j'ai 10 ans. Je lui ai promis que je deviendrais l'un des hommes les plus forts de l'île de France. Mais tu t'en fous? Pourquoi? Parce que t'es quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une promesse d'ami quoi. Ah d'ami, ah ça va alors. Quand tu m'appuies comme ça avec cette main.
Tu veux m'enculer ? Faut savoir qu'il a une barre de fer dans l'armoire et qu'il veut pas la faire soigner. Si, mais j'ai pas le temps. 44, ça me l'a pu. 24, je crois, exactement. Ouais, ils doivent être là. Quelqu'un peut me mettre l'autre ? J'ai peur que ça fasse son crâne, elle part du. Yes. Oh, 44, ça passe bien. Tu peux lâcher. Vas-y, ça va voler. T'en fais combien ? Je sais pas. Je pense qu'il en fait 10. Je sais pas. Après, il a pas l'esprit shonen, tu vas en faire 8. Si, si, il a l'esprit shonen. Ça va voir, tu vas voir sur les 60, l'esprit shonen. Attends là. Bah, moi, c'est la technique. Ouais, prouve-le, t'as comme l'émission de Julie. Prouve-le. Prouve-le. Aujourd'hui, on va cristalliser de la Hanouna. Prouve-le. Wesh. Non. Eh, hey, t'as failli te bousiller le bec. T'inquiète. Vas-y, Vivi, putain, je peux pas. T'inquiète. Je peux avoir l'autre fois, s'il te plaît. Il est là, le 42. Mais non, c'est 50. C'est un enculé, lui. Il fait une blague d'enfant avec 50 kilos. Je te jure que j'ai pas fait exprès. T'es sérieux ? Non, je te jure que. Non, mais lui, je te jure que j'ai pas fait exprès. Soit à l'affût derrière. Ouais, t'inquiète. Ton job, c'est pas qu'il se blesse. S'il se blesse, c'est ta faute. Ok, 42, ça va pas, mais t'as eu l'objectif à 40. Oui, c'était triste. Oui. Gros bébé. Putain, bon, mon max c'est. 40. Mais c'est très bien. 48 ou 46 ? Je dirais 48, ça y est, à un moment donné. Ok. Oh, la pression que ça met sur mes genoux. Ouais, la famille, oubliez pas, MyProtein, code Thibaut InShape. C'est ce beau code qu'il faut utiliser. Utilisez rien d'autre, vraiment code Thibaut InShape. Idriss, force à toi dans tes projets, frérot. Non, Idriss. C'est entre lui et les haltères, laisse-le. C'est mon combat. Pourquoi t'as baisé ma mère ? Pourquoi t'as fait ça ? Souleyman, on était potes. Soulève un poids pour te venger. Oh oh oh. Oh lolo. Ouais. Il est à deux doigts dans les 50, c'est une position de ouf. Et je rappelle que je suis en sèche. Wesh wesh. Ah, il a pris quelqu'un, il peut plus raccrocher. Attends, là, raccroche-la. L'écran tactile, il marche plus. Yes. Yes. Eh, la commu d'Idriss, aidez-moi à me venger. Oh, oh. Après l'iPhone, là, Benjamin. T'allais me casser le pied, frérot. Un pied cassé, c'est pas comme un iPhone, hein. C'est vrai, t'as raison. Je pense que t'aurais préféré le pied. Que l'iPhone. Ouais. J'avoue, t'es venu dans cette salle, t'as tout perdu. J'ai payé pour rentrer, pour ensuite gros. Non, frérot, j'ai payé pour que tu rentres. T'as payé pour que j'ai une journée de merde en fait. C'est ça. Donc en gros, c'est B9 pour moi. Amine, tu vas faire quoi ? J'ai envie de retenter 48. En gros, objectif, une prop. Ouais. Ok, c'est l'heure. Pronostic ? Je pense qu'on fait 6. Ça fait 3. 6. Abdel, tu dis combien ? Moi, je dis 10 parce que t'as la radio. Putain, Edin des plus grands Netflix. Oh, il casse le col lui. Bon, 6 à 60 pour moi, 6 ou 7. On est d'accord, elle compte la première. Moi je la comprends. Yup. Et on lui dit merci. En fait, je savais que je pouvais la passer en dégueulasse, mais en propre, j'avais pas passé, je dis la même. Eh, ça y est, t'as pas passé, commence pas, ça y est. Vous direz si vous pensez que c'est validé, ça la 48, l'autre. Non, elle est pas validée. Est-ce que deux dégueulasses, ça vaut une bonne. Oui, t'en penses quoi ? Moi, je pense qu'il l'a pas validé. Si la ligue des poids de 40 me valide pas... T'as pas le droit de dire ça. Toi, t'as la ligue des 40, c'est-à-dire il est pas entré dans ta ligue ? Non. Si, je suis dans sa ligue. Juste, je suis dans la même ligue, mais il est à la dernière arène. Mais non, on est dans la même ligue. Lui, il est 40, grade 5. 46, je l'ai pas, normal. Quoi. Je viens de capter un truc. Il a mangé avant qu'on vienne, et moi, j'ai rien mangé de la journée. Ça veut dire que je suis plus fort que toi, en vrai. J'ai pas mangé. Si. Non. Je t'ai fait une assiette, elle est dans ta chambre pour voilà la manger en secret. Si. Voilà que non. Bah, qui s'est fait un croque-monsieur alors ? J'ai mangé deux pains demi avec une tranche de dinde. Voilà. J'ai rien mangé. Non, j'ai mangé. Non. Je suis sûr parce que si j'aurais dit ça de Billy, t'aurais dit, oh, je sais pas. Alors que hier, il a mangé deux croque-monsieur hier soir. Bah, c'est ma diète, frère. Et il a mangé un full plat japonais pendant que moi, je mangeais du thon à la Macédoine. Ah, bah tiens, tu témoignes bon, plus. Alors, on va fermer le débat là-dessus. Ok, fin du défi. T'as fait combien les haltères ? J'ai fait 40 comme j'avais dit. 40, objectif atteint. Est-ce que t'as atteint les 50 ? Non, j'ai fait un faux 48. Presque les 50. Je suis meilleur que lui. J'ai visé juste sur mes perfs. Lui, il se donne au-dessus de ses moyens pour pas faire. Quand ça fait que t'as pas eu les 48 ?
ma technique elle est dégueulasse. Et je peux pas me permettre de réessayer vu que je suis en sèche, je dois en essayer. Dès que je l'utilise une fois, j'ai plus de force. Et objectif pour la prochaine fois ? 50, obligé. Billy, ouais, 46. Moi, dans mon cas, je peux parler quand même de moi ? 70. 70, il y a. C'est-à-dire que tu prends les 60 et on te rajoute un poids de 10. Mais peut-être je les ai là, on sait pas, vu que j'ai fait plusieurs. C'est vrai que je pense que tu les as. Là, ce qui s'est passé, c'est. Dans ma salle, il y a que des haltères de 40. Donc je peux pas m'entraîner, je suis comme une merde à faire des trucs. Mais non, j'avais vu une vidéo de toi où il y avait des haltères trafiqués de 60. Ouais, mais et le maximum c'est 54, ça veut dire on sait pas fusionner plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous pour ce petit défi. Merci à vous pour votre petit défi. Bah je vous remercie tous les deux aussi. Ok. Ouais, et moi je remercie ton téléphone. Il a encaissé les haltères. J'ai même pas envie d'en reparler. C'est grâce à lui qu'on a poussé autant aujourd'hui. C'était le meilleur moment de la séance. Il a servi à quelque chose. Et en plus on en parle depuis 2 semaines. On lui dit tu dois changer de téléphone, c'est un signe. Il a eu une fois. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Il doit casser son téléphone et après il lui donne une leçon. Mais oui. C'est une folie. Regardez, son téléphone, il n'arrive pas à s'en séparer comme un vieux portefeuille dégueulasse. Ouais, mais tu l'as cassé quand même. Tu vas pas me dire je te rends service là. Non, mais là, il a un autre téléphone, il peut l'utiliser. Ok, bah on se revoit sur la prochaine vidéo. En attendant la prochaine, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Diana.